dernier, j'essaye de faire inscrire l'art de la culture française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette idée m'est venue lors des championnats du monde 2018 en Irlande. En voyant les autres pays travailler et la France, j'ai vu qu'il y avait une réelle découpe particulière en France. Donc de là est parti le projet quand j'en ai parlé à la Confédération de la boucherie française qui m'ont soutenu dans le projet. La démarche consiste effectivement à continuer à attirer des jeunes profils vers la profession pour pouvoir effectivement se préparer, pour se former, pour pouvoir exercer le métier et voir prendre des responsabilités dans le métier, c'est-à-dire être des repreneurs d'entreprise. Ce mouvement, il est aujourd'hui largement, il fonctionne bien. Par rapport à il y a une petite dizaine d'années, il y avait environ 6000 apprentis en formation dans la boucherie artisanale. Aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 10 000.